Vraiment, Facebook. Merde. Ouais. Baloba. Banaloba, Nikaso. Mince. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Baloba. Facebook. Les mêmes choses depuis des années. Non. On est fatigué, les cœurs. On est taillé. Attendez, tourne la caméra parce que. Ça regarde du nom. Les gens me regardent comme si c'était une star. Je vais me faire un soin de visage. Demain, c'est le mariage en Belgique, maman. Hey! Wow! Maman, le dress code de ça. Ouais. Et ce mariage n'est pas manqué. Hein. Je vais à la consigne parce que ma grosse valise, c'est là. On peut pas tirer ça, gars. Je dépose d'abord la consigne. Je me fais un soin de visage. Julie Loé. Et puis ensuite, je me fais les ongles. Mais j'ai trop de choses à faire. Ouais. Et le foirage me gère. Alors, la consigne. Pardon. Et chez la consigne. La consigne, c'est où? En bas. Maman, attendez, je tourne la caméra. Elle dit que Facebook, maman, c'est chaud. Le malais, un mouf. Elle dit que le karma, non. Continuez à vous cacher dans le noir pour insulter les gens. Quand le temps de payer va arriver, on ne va pas vous dire. Ouf. Continuez à rester dans le noir pour vous acharner sur les gens que vous ne connaissez pas. Soit disant que vous êtes dans les teams. Oh, je supporte il. Je supporte Y. Je supporte Z. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Vous asseyez, vous attaquez aux gens. Dans le noir. Pardon. Je vais à la consigne déposer ma valise. Tout ce qu'on fait du mal, ça se paye. Donc, moi, je m'adresse au FP, là. Les gens qui insultent les gens dans le noir. Vous deviez peser les mots de ce que vous dites. Vous devez faire attention à ce que vous dites. Vous devez peser vos mots sur ce que vous dites, même si vous êtes dans le noir. Parce que la haine n'est pas une bonne chose. Et tout se paye ici-bas. Oui, tout se paye ici-bas. Dans la vie, ne dis jamais, jamais. Moi, je pense que quand on se sépare avec les gens, quand on a été avec une personne et que demain, vous n'êtes plus avec la personne, chacun prend sa route. Qu'est-ce qu'il y a, cet acharnement? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne comprends pas. Vous dites que vous, les filles qui dites que vous étiez à l'école, tout ça. Comment tu peux prendre un téléphone qui a toute ta vie? Tu n'effaces pas. Quelque chose qui a les preuves de ta vie. Pas seulement ta vie. Mais même la vie de ton conjoint. Il y a combien d'hommes en Europe qui accompagnent même l'homme à vendre le piment? Mais personne ne sait. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ne faites pas la grande gueule pour rien, pour vous faire voir pour rien. Franchement, à un moment de la vie, il faut arrêter. Je ne peux pas arrêter de motiver ce qui est immotivable. Arrêtez d'encourager. Vous encouragez quoi? Vous encouragez quoi? Hein? Même si on n'aime pas quelqu'un, il faut avoir des limites. Tu prends ton téléphone qui a toute ta vie et la vie de qui? De l'enfant de Troy, de ton mari, même à son propre frère, même père, même mère, tu ne peux pas donner un téléphone qui est sous ton téléphone que tu fais tes business avec. Tu prends ça, tu donnes. Et tu passes le temps à t'acharner sur la personne. Hein? Tu t'acharnes, tu parles. Hein?
alors que tu sais qu'il y a des choses sur toi. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut laisser. Il faut laisser. Moi, je dis à Ndolo, il faut laisser ça. Que les gens ne t'encouragent pas pour rien. Moi, je te dis de laisser. Moi, je te dis aujourd'hui que ton mari n'a pas demandé à être dans tout ça. Ok? C'est toi qui l'as amené sur les réseaux. Je suis sûr que ce gars, c'est toi qui l'as amené. Tes amis, il l'a respecté. C'est toi qui l'as amené sur les réseaux. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a tout ça sur toi. Tu dis que tu t'en fous. Tu t'en fous, mais il a une famille. Hein? Tu t'en fous, mais il y a quand même des gens qui le connaissent. Donc, il faut arrêter. Tu as quoi à faire? Qu'est-ce que tu peux dire là pour prouver? Parce que les faux profils, les gens qui sont dans le noir, ils sont là pour commenter et motiver. Parce que ça les anime. Toi, est-ce que tu regardes, tu vois que tu es celle qui va perdre? Parce que les gens qui n'ont plus rien à perdre, ils n'en ont rien à foutre parce qu'on a tout dit sur eux. Les roses cascas. Hein? Il faut laisser la guerre que tu fais avec ton ancien patron là. Laisse la guerre que tu fais avec ton ancien patron là. Tu ne sortiras pas gagnant. Tu vas sortir détruit. Dans la vie, quand on avait un homme, on ne dit jamais que son homme, on est sûr à vie. Qui veut voir sa vie étalée? Donc il faut arrêter. Si on ne te dit pas, moi je te le dis aujourd'hui, que laisse. Laisse. Vous avez été amis. Vous avez fait les coups. Tu as travaillé 7 ans. Tu nous as harcelés. Tu as tout fait. Aujourd'hui, tu payes quoi? Le karma de ça. Le karma de ça. Personne ne te souhaite ça. Mais c'est pour montrer à quel point tout le mal qu'on fait ici-bas, ça se paye aussi ici sur terre. Laisse. Laisse vos chemins. Se sont séparés. Tu entends même quelque chose sur elle. Laisse. Quelqu'un parle. La personne a les preuves sur toi. La personne a les choses sur toi qu'elle met comme son voix. Mais toi, tu passes seulement debout, tu n'as rien. Donc, reste tranquille. Hein? L'équipe t'encourage. L'équipe veut t'induire dans les erreurs. Mais est-ce que tu sais que tu as un mari? Est-ce que tu sais que tu as une famille? Hein? Moi, ça me... Franchement, il faut laisser. Hein? Il faut laisser ce que tu as en train de faire avec ton ancien patron. Tu connais combien d'abeilles sont là partis devenus des tracteurs, mais insultés jusqu'à... Je n'ai pas fait la guerre là. Jamais. Hein? Tu as fait l'erreur de prendre ton téléphone avec tout. Tu n'effaces même pas. Il a collectionné. Assois un peu. Oui. Tu as pris ton téléphone avec tout. Tu as donné. Tu as donné. Aujourd'hui... Il y a un truc comme ça, mais reste tranquille. Hein? Il faut rester tranquille. Ça ne sert à rien. Hein? Cette guerre-là, tu vas aller porter plainte, tout ça. Comment on dit qu'on va porter plainte, tout ça? Mais c'est toi qui as donné à la personne. C'est toi qui as pris, tu as donné. Avec tout dedans. Qui vous a dit qu'on fait confiance comme ça dans la vie? Tu portes ta vie privée. Tu donnes comme ça, là. Hein? Il faut laisser les gens qui t'encouragent ne te veulent pas du bien. Ndolo, si tu m'écoutes, les gens qui t'encouragent là ne te veulent pas du bien. Ils veulent te voir te détruire. Ils veulent te voir te détruire. Laisse la guerre que tu fais avec ton ancien patron là. Je ne peux pas te... Donc, je n'étais jamais encouragée dans ça et je ne t'encouragerai jamais. Tu es une femme mariée. Quel que soit ce que tu fais avec ton mari, c'est ta vie de couple. Hein? Quand tu m'imitais les personnes qui sont assises derrière Facebook, là, tu crois que le problème, c'est qu'on parle, ils écoutent. Hein? Mais tu vas te détruire. Hein? Et il faut que tu comprennes l'acharnement que tu as eu sur les autres. Tu dois te rendre compte aujourd'hui qu'aujourd'hui, regarde ce que tu vis. C'est 7 ans de ce que tu as fait aux gens que tu ne connaissais pas. Il faut laisser ça. Les gens sont fatigués sur les réseaux d'écouter tout l'ombrakata. Toujours la même haine, la même haine, la même. Il faut laisser. Il faut laisser. Ça ne sert à rien. Et comme je redis encore qu'un, franchement, on ne fait pas confiance à un faux profil. Parce que oui, vous nous soutenez. Mais tu ne peux pas prendre ta page. Tu donnes ça à un FP.
un faux profil de gérer. Hein? Si tu n'étais pas là pour gérer sa page, tu ne serais pas en train de dire tout ce que tu dis aujourd'hui. Les gens qui t'encouragent là ne t'aiment pas. Hein? Tu crois que les gens qui t'encouragent là t'aiment? Les gens qui t'encouragent là ne t'aiment pas. Tu n'as rien sur ton ancien patron, reste tranquille. C'est tout. Ce que tu dis là, c'est seulement la parole. Maman, les gens m'appellent, donc on ne peut même pas me cacher. Attendez, me cache, ça va derrière. Quelqu'un me dit, ma star, pardon, attendez. Je me cache derrière pour faire comme ça. Donc, maman, il faut laisser. Hein? Ça vous apprendra. Hein? Il faut réfléchir. Votre part d'école, c'est quoi? Est-ce qu'on prend même un téléphone qu'on a eu à faire plein de choses avec? On cadeau de quelqu'un. Mieux tu casses ça. Mieux tu achètes un autre téléphone. Tu donnes à ta patronne. Tu lui achètes un téléphone. Hein? Tu lui achètes un téléphone. Ce que tu vis là, ça doit servir de leçon à beaucoup d'entre vous. Je ne peux pas t'encourager. Tu as une mère. Tu as une famille. Tu crois que le gars là voulait être ton mari, là voulait être exposé comme ça? Hein? Merde. Maman, il y a les filles à Paris célibataires beaucoup, hein? Là dehors, hein? Oui. Quand ça va tourner dans sa tête, ne sois pas stupide qui te dit que non, j'en ai marre. C'est toi qui m'as amené dans ça. Je m'en vais d'abord faire un break. Il disparaît, tu le vois, puis tu vas le faire. Ça pas ça qui m'appelle, non. C'est quoi? Donc, il faut laisser ce que tu fais là. Laisse la guerre que tu fais là, maman. Nous, on a traversé les grandes guerres. Dans la nuit, j'ai écouté aussi un truc, un direct, là, je dormais. J'ai écouté aussi, il y a un là aussi qui s'acharne sur moi depuis des années. Mais j'ai retenu juste un truc. L'ignorance est l'âme absolue. Il y a des personnes, quand ils s'attaquent à toi, tu ne les réponds pas non. Ça choque jusqu'à ce n'est pas bon. Un gars frustré qui est derrière les réseaux sociaux, un mal-aimé, il s'acharne sur les femmes, il harcèle les femmes. Il harcèle depuis des années. Je vais même vous dire à vous, les filles, là, que vous montez sur le panel de ce gars pour vous acharner contre moi. Il s'est retourné contre vous. Vous vivez le martyr. Vous vivez le martyr avec lui. Donc chaque fois quand vous montez dans les panels pour vous acharner sur des gens qui ne vous ont rien fait, sachez que demain ça peut vous arriver. Les pleurs de ça. Donc même les femmes mariées envoient leur nudité à un faux profit dans le noir. La honte de ça. Merde, c'est pas possible. Mais le waka, qu'on dit que vendre le piment là. Mais ce n'est pas vendre le piment, c'est mettre au poteau en route. Hein. Votre qualité de... Mais les fiançages derrière les Facebook, on dit que les autres gens se sont même fait les fiançages des faux profils. Et les fiançages, après demain, vous, le gars vous fait le chantage. Vous montez dans les panels des pervers narcissiques. Parce que vous acharnez sur Fleur de Lys. Votre tour arrive. Vous allez payer le karma là. Entre vous, la différence entre vous et moi, c'est que quand il finit, boire mon Doliprane. Vous comprenez pas, c'est celui qui est habitué. Mais vous vous acharnez sur les gens. Vous n'êtes pas habitué qu'on s'acharne sur vous. Pardon, vous laissez trop de choses à faire. Bisous.